Et donc ça y est, nous sommes sur le stand Suzuki à l'ECMA 2023. Il y a beaucoup de choses. Je vais commencer par des petits trucs un peu légers déjà, parce que vous avez ici quand même deux trucs que je voulais vous montrer absolument. Donc une très belle Hayabusa en version grise et rouge avec le petit échappement à Cracovie qui fait plaisir. Mais surtout, celle qui était vraiment la nouveauté, c'est cette édition 25e anniversaire qui est incroyable. La couleur, en fait, elle est reprise des premières Hayabusa, hein. C'est un hommage. J'ai juste trouvé que c'était un petit peu dommage parce qu'ils n'ont pas mis beaucoup de fantaisie, on va dire, dans cette moto. Il y a un échappement qui est siglé 25e anniversaire ici, hein, vous le voyez. Et puis, on a des petites frettes de disques qui sont dorées. Hein. Ça, c'est pas présent sur la Hayabusa standard. Et sinon, c'est la couleur vraiment qui change. J'aurais bien aimé un modèle peut-être un poil plus cher, mais dans lequel on aurait eu des choses un petit peu plus folles. On va tout de suite aller voir le côté. Donc, l'ECMA, le plus grand salon de moto au monde, hein, avec énormément de choses. Il y a un truc qui est un petit peu culturel, hein, à l'ECMA, c'est d'avoir aussi ce qu'on appelle les babes, hein, ces jeunes femmes qui sont sur les motos, qui présentent les motos. C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas nécessairement sur d'autres salons, comme par exemple à Lyon, le salon du deux-roues à Lyon. Et là, on a donc les deux nouveautés, hein, que Suzuki a annoncées, la GSX 8R. Je vais faire le petit tour pour vous montrer. D'ailleurs, il y en a une qui est libre ici. Je vais vous la montrer ici parce que je préfère la couleur. C'est celle que j'ai montrée sur mon short aujourd'hui. Donc la voici, ça, cette GSX 8R, c'est ni plus ni moins qu'une GSX 8S carénée. Hein. Donc on est sur la plateforme qui utilise la GSX 8S, donc un bicylindre qui sort 80 chevaux environ. Et on va avoir eh bien, une machine avec un look qui est super stylé. Regardez-moi ça, elle est vraiment super jolie la machine. Très sympathique avec eh bien, des lignes qui lui vont bien mieux, je trouve, que la GSX 8S. Hein, ce phare à double étage, eh bien, quand il est agrémenté d'un carénage, il est beaucoup plus beau avec eh bien, ce petit écran TFT. Regardez, très sympathique. C'est ce qu'on retrouve sur la GSX 8S. Les prétentions dynamiques vont être les mêmes. Donc voilà, ça, c'est la première qui a été annoncée par Suzuki. Et la deuxième, elle est juste ici. C'est la GSX S1000. GX, donc ça en fait c'est une sorte de crossover entre la GSX S1000 GT et la V-Strom, hein. C'est quelque chose qui vient se mettre entre les deux univers avec eh bien, le moteur de la GSX S1000, hein, donc 152 chevaux, c'est le même que celui de la GSX R1000 de 2005 à 2008, hein, donc quand même un moulin qui est très sympa. En plus de ça, on va avoir de la suspension semi-active sur cette machine, c'est une grande première, hein, chez Suzuki. Regardez, hein, on a ici les petits potards en fait pour l'ajustement en temps réel, et regardez, hein, freinage Brembo, une fourche de très haute qualité, équipement de très haute volée aussi, hein, donc ça vraiment c'est hyper sympa. Donc elle existe dans ce coloris là que j'ai trouvé original, et vous l'avez aussi comme ça en eh bien, couleur un petit peu GSX S1000 GT, hein, bleu et gris. Je la trouve très sympa. Je regarde un petit peu vos commentaires vite fait, si j'y arrive. Pourquoi ils placent l'échappement en dessous? Franchement, c'est pas terrible. Ah, tu parles de la GSX 8R. C'est pour le centrage des masses. Ça aide notamment au centrage des masses. J'essaye de voir un petit peu ce que vous m'écrivez. Hein. J'essaye de voir un petit peu ce que vous m'écrivez. Voilà, impeccable, super. Et le dernier commentaire. Bon, je ne l'ai pas. Donc voilà, ça c'est les nouveautés chez Suzuki, les amis. Hein. Donc cette machine-là, j'espère pouvoir vous l'essayer sur la chaîne très vite, hein, parce qu'elle est quand même extrêmement chouette. Elle existe aussi en couleur noire comme ça. Donc vous voyez, hein, c'est des machines qui sont quand même assez cool. Suzuki qui a fait bien le show. C'était une des premières conférences ce matin, hein, où ils ont annoncé les motos. Là, elles sont présentées un peu plus haut, hein, sur des petits piédestals. Donc voilà, GSX 8R, GSX S1000 GX, deux grosses bécanes, hein, qui ont été annoncées par le constructeur japonais. Il y a beaucoup d'autres choses à voir, donc je ne vais pas forcément traîner trop longtemps sur le stand Suzuki. Les autres machines, vous m'excuserez, je ne vais pas vous les montrer parce que franchement, sinon, on y passerait mais un jour pour la moitié du salon, donc je ne peux pas me permettre de faire ça. Voilà, vous avez de la V-Strom, vous avez de la Hayabusa, vous avez plein de machines, c'est vrai. Vraiment la folie. Je suis très content qu'il n'y ait pas de musique aujourd'hui, simplement parce que l'année dernière, j'avais une partie de mon live qui avait été coupée, simplement parce que c'était des musiques sous copyright, hein, avec des droits, et donc vous ne pouvez pas mettre ça sur YouTube. Donc là, je suis assez content. Je regarde juste vos commentaires en même temps, hein, pour voir si vous m'avez écrit quelque chose. Et Miller, ok, d'accord. Ouais, en fait, c'est le bordel, les commentaires. C'est le bordel, hein, j'arrive. Pas terrible l'image. Bah écoutez, je suis désolé, hein, je suis en 720p, je fais ce que je peux. J'essaye de voir si. M'énerve. Ça m'énerve parce que j'arrive pas à suivre ce que vous me dites. Et ah, ça m'énerve. Écoutez, je vais juste tester un truc. Je vais essayer de couper YouTube et de le relancer pour reprendre. Si ça marche mieux en coupant et en relançant. Alors, est-ce que ça fonctionne? J'espère que ça va marcher. Bon, ah, non. Ça marche toujours.
Ça marche toujours pas. Ça marche toujours pas, les amis. J'arrive pas à voir ce que vous écrivez. Je suis désolé. En fait, les chats s'accumulent. S'accumulent et j'arrive pas à lire ce que vous m'écrivez. Donc, je suis désolé. On va continuer les talons. Malheureusement, je peux pas vous montrer. Donc là, il y a un petit truc chez Michelin. Je viens avec la caméra hein, parce que là, il y a une petite conférence chez Michelin, mais c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. On va avancer, bien évidemment. Hein. C'est intéressant. Michelin, c'est quand même le plus grand constructeur de pneus au monde et ça vient de chez nous. C'est français, mais c'est pas aujourd'hui ce qui nous intéresse. Je continue à vous faire le petit tour hein, de l'ECMA. Et je suis vraiment désolé, je m'excuse pour le chat, j'arrive pas à vous lire. Est-ce que tu es déjà passé par le stand Honda? Non, je ne suis pas encore passé par le stand Honda Red PP, ce sera demain Honda, avec notamment Triumph, Ducati et compagnie. Et il y a énormément de choses à dire sur Honda parce qu'ils ont fait des grosses annonces, mais ça on ira après. Là je continue à vous montrer, alors c'est super sympa hein, de visiter l'ECMA en mode presse parce que vous avez très peu de gens, donc ça c'est vraiment cool. Hop, dégueulasse, alors attendez, je vais tenter quelque chose. Je vais me mettre en 5G. Vous me direz si c'est mieux ou pas. Vous me direz si c'est mieux ou pas. On va continuer à avancer. C'est très chouette en tout cas de pouvoir être à l'ECMA sans avoir eh bien, de trop de monde parce que dès que vous êtes dans les journées publiques, c'est blindax. Donc là, c'est plutôt une bonne chose. Et là, regardez, on arrive sur le stand Kiwe. Donc Kiwe, hein, c'est pas forcément une marque qu'on connaît beaucoup, hein, qui fait partie des grands constructeurs. Ah, attendez, j'essaye juste de voir. Impeccable en 5G. Ah, attendez, j'ai l'impression que ça va mieux. Mieux l'image là. Bon, bah écoutez, si c'est mieux, on va rester là-dessus. Donc on est chez Kiwe. Alors Kiwe, c'est surtout des petites machines, hein, des petites motos comme ça, qui sont assez mignonnes, assez rigolotes. Mais c'est vrai qu'effectivement, on n'est pas sûr. Des énormes bécanes, alors même s'ils font des trucs qui sont assez sympas. Regardez par exemple ce genre de petit custom qui fait penser un peu à la Benda Motorcycle. Hein. Benda, ils font une moto un peu comme ça, un constructeur chinois aussi, avec un gros moteur, c'est assez rigolo. Beaucoup mieux, ah bah c'est parfait, écoutez, je suis content alors. En fait, j'arrive pas à vous lire. Bien mieux, ok d'accord, super, beaucoup mieux, et ben c'est génial les amis. Kawa Ninja 7, ça ce sera demain les amis, on en parlera demain. Voilà, donc écoutez, par contre je veux aller ici chez Benelli, parce que Benelli c'est un constructeur qui a eu des très grandes heures de gloire il y a quelques années, hein, un constructeur italien qui s'est fait reprendre par des entités chinoises. Maintenant ça appartient à la fois à l'Italie et à la Chine. Et en fait, eh bien, ils ont annoncé aujourd'hui deux motos qui sont très cool. T'embête pas du moment qu'on a les infos. Bah écoutez, c'est cool les amis, merci à vous. Merci beaucoup. Donc je vais vous montrer, ils ont annoncé deux petites motos 500 cm3 qui sont très chouettes. Regardez, je vais vous les montrer. Elles sont juste ici et elles reprennent notamment le nom de machines qui ont existé chez Benelli il y a un certain temps. Voilà la Tornado 500, hein. Ça c'est une petite sportive 500 cm3. C'est sûr et certain que ça a été inspiré par eh bien, la CF Moto SR450, hein, ni plus ni moins, parce que c'est un petit peu la mode des petites sportives, ça revient sur le devant de la scène. Et elle a une vraie tête, une vraie tête très sympa. Donc ça, c'est vraiment cool. Et là, regardez, hein, donc on a celle-ci et on a celle-là hein, qui est très chouette. Je vais tenter un petit truc, les amis. Je vais juste faire quelque chose. Accordez-moi une petite seconde. Je vais faire un petit truc. Peut-être que j'ai une solution pas parfaite, mais qui devrait marcher. Je vais juste poser ça deux petites secondes sur le comptoir. Accordez-moi juste une petite seconde. Voilà, je fais juste un petit truc. Je vais prendre mon iPad avec moi. Ça devrait permettre de au moins lire vos messages. Je vais le prendre avec moi et là, je vais enlever le chat et je le tiendrai à la main. Donc, je fais ma petite aventure parce que j'ai quand même envie de lire ce que vous m'écrivez, vous comprenez. Donc, on va faire ça. On va se mettre là. Hop, on va aller ici sur le petit iPad et je vais lancer mon live en même temps. Comme ça, je pourrai voir vos messages et ce sera cool. Voilà, je baisse le son et là, je lis vos messages. Super. Image pourrie, on dirait on est sur Arte. Eh ben c'est dommage, écoute, tant pis. Je fais de mon mieux. Hein. Voilà, on dirait une CB650R en mode custom, combien de chevaux, nanana, des nouveautés chez Benelli. Tout le monde attendait la R9. Eh ben écoute, la R9, malheureusement, elle n'aura pas été annoncée, en tout cas, pas à ma connaissance. Donc voilà, il y avait. Je retourne hein, vous montrer rapidement les petites Benelli. Ce qui est juste chiant, c'est que je dois appuyer comme ça. Et je vais désactiver le chat. Comme ça, je ne suis pas dérangé ici. Voilà, super. Et je lis vos messages en même temps. C'est top de nous faire visa. Bah, merci les amis, merci beaucoup. Et vous avez ici donc du coup la Tornado Naked Twin. Donc ça, c'est un roadster avec, regardez, cette face avant.
c'est vraiment assez original, c'est assez drôle la façon comme cette moto elle se présente, donc c'est plutôt cool. Salut à toi Zik Mika. Ouais, c'est cool. Bah au moins là j'ai les messages sous la main. Combien de chevaux? Ça fait 47 chevaux. C'est vraiment un petit truc, hein. C'est vraiment des motos qui sont faites pour les jeunes permis. Donc c'est vraiment dans l'esprit du jeune permis. Mais quand même, aujourd'hui, quand on est permis à deux, on a des choix qui sont assez cool et surtout très stylisés. Et ça fait plutôt plaisir. Peux-tu passer chez CF Moto? Mais bien évidemment, Joss Oliveira, je vais passer chez CF Moto. Voyons, je ne peux pas ne pas aller chez ce constructeur qui a pris tellement d'ampleur. Regardez ici, ils ont quand même un stand qui est plutôt cool, assez grand. Assez chouette, ils ont beaucoup de modèles présentés et on a quelques petites stars, hein, notamment, regardez, je vais vous montrer, on a une jeune femme qui est justement dessus. Je vous en ai déjà beaucoup parlé de cette machine, c'est à mon sens la plus belle moto A2 qui existe. C'est la SR450, donc regardez là, hein, comme elle est super belle. Et là, en fait, celle qui est présentée juste ici, eh bien, c'est la SRS. Donc, en fait, avec quelques petits changements, dont notamment un monobras à l'arrière. Regardez, je vais vous montrer ici, hop, je passe derrière. La voici, regardez, le petit monobras. Donc ça, je vous en ai déjà évoqué un petit peu cette machine, je l'ai testée sur la chaîne. La SR450, c'est une moto qui est très cool, avec des équipements qui sont très qualitatifs. Fourche inversée, freinage Brembo, c'est une moto qui est très jolie. La face avant, elle est magnifique, regardez ça. On dirait un peu une Panigale, mais en inspirée un peu plus agressive. C'est très cool. Et il y a autre chose qui est super chouette. Je vais vous montrer. Beaucoup de nouveautés à deux cette année. Oui, tout à fait. Pas encore les 3 cylindres chez CF? Non, pas encore. Regardez, celle-là, je ne voulais pas encore tester. C'est la NK800. Hein. Donc, on est sur un roadster un petit peu façon Hornet, façon MT-07. Et c'est une très jolie moto. Elle est exposée de l'autre côté. Je vais aller vous la montrer parce qu'elle est allumée. Et là, il y avait une jeune fille dessus. Et en fait, en vrai, je ne peux pas vous cacher qu'elles sont très jolies, les jeunes femmes. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Donc, voilà, regardez ici. Elle est présentée juste là, il y a un monsieur chez CF Moto qui est juste à côté. Donc vous voyez, elle est déjà très chouette en termes d'image. Cette moto, je la trouve très jolie, très belle. C'est une moto qui a des vraies qualités avec un moteur qui fait dans les 80 chevaux. Je crois que ça va être emprunté chez KTM, hein, les moteurs de chez CF Moto. Il y en a beaucoup qui le sont. Et regardez, hein, je vais vous montrer quelque chose d'assez fou. Regardez bien l'écran. Regardez l'écran de cette moto. C'est un iPad le truc. Et ce que vous voyez, c'est pas étonnant, hein. C'est de la recopie AirPlay sans fil. Donc en fait, vous avez le monsieur qui a son iPhone qui est en recopie vidéo. C'est incroyable. Vous avez CarPlay en fait qui est directement intégré à la moto. Franchement, je pense qu'au niveau du prix, je me souviens pas, mais ça doit être quelque chose comme 8000 et quelques euros. C'est vraiment pas cher. Magnifique, j'adore CF Moto prendre l'ampleur. Oui, CF Moto prennent beaucoup d'ampleur. Ils ont montré d'autres trucs très cool. Il me semble qu'ils ont fait une révélation sur un moteur qui est juste là. Ça, je pense que c'est une nouvelle architecture qu'ils vont utiliser dans le futur. Je vous le montre rapidement parce que c'est très curieux ce qu'ils ont montré. Ça a l'air... en fait, voilà. Il y a quelqu'un qui a posé la question. C'était Machu. Et ben voilà, un moteur 3 cylindres chez CF Moto. Donc ça, à mon avis, ça va préfigurer de nouvelles motos qu'ils vont sortir dans le futur. Donc c'est cool, vous voyez, la réponse, elle est là. Quand tu vois CF Moto mettre un monobras sur sa 125 et Honda qui le vire sur sa CB1000, ouais, après voilà, c'est des choix. Là, encore une fois, regardez, hein, on a un trail très chouette sur CF Moto. C'est la jeune femme qui m'a déconcentré avec une vraie gueule, hein, cette 800 MT Explore. Elle est très jolie. Je vais juste passer à côté de la jeune femme pour vous montrer l'écran. Excuse me. Regardez comme il est incroyable l'écran. Franchement, non, elle est super la moto. Elle est vraiment très belle. C'est très cool. Et là, vous avez des modèles un petit peu en mode concept avec par exemple ici une 125. Regardez, magnifique machine. Très jolie. Ben voilà, 5G beaucoup mieux. Et ben tant mieux. Tant mieux. Oui, non, mais les jeunes femmes, oui, c'est intéressant. Mais là, on est sur une vidéo de moto. Donc, regardez ici ce petit concept. Ça, je sais pas si ça va être gardé de série. Mais CF Moto, ils mettent toujours les petits plats dans les grands en ce qui concerne leurs véhicules. Et on trouve des trucs qui sont juste incroyables. Donc, c'est vraiment cool. Et la nouvelle 700 CLX. Alors, oui, bien sûr, la 700 CLX, je vais vous la montrer parce qu'elle est dans le coin. Elle est dans le coin. Hop. On va y aller. J'ai tant de choses à vous montrer, les amis. Tant de choses à vous montrer. Et vous êtes de plus en plus nombreux sur ce live, je vous en remercie. 197 et ça grandit. Hop, les petites 700 CLX, elles sont là normalement. Ou c'est peut-être... Regardez cette petite prépa là, si c'est pas beau ça. Franchement, vous dites ça? Ça c'est de la moto chinoise? Pas moi. Hein. Moi je me dis pas que c'est de la moto chinoise. Hein. Oh, qu'est-ce que c'est joli.
En fait, c'est tout simple, hein. Moto chinoise, dans 2-3 ans, ce sera plus du tout synonyme de machine, peut-être avec des finitions légères ou quoi que ce soit. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment très très impressionnant. Je me mets juste en verrouillage sur mon iPad. Et si je mets en pause le live, est-ce que j'ai quand même le chat? Tu peux nous montrer la 450 MT. Alors, je sais pas si je l'ai vue, celle-là. Les petites CLX, attendez. Je regarde juste si vous continuez à me parler. Oui, c'est bien. S'il y avait écrit Yamaha à la place de CFMoto, on craquerait. Non, mais c'est surtout qu'en fait, il y a des moteurs KTM, il y a des trucs comme ça. Donc, voyez comment c'est beau. Franchement, ils font des trucs très, très cool. Hein. Franchement, c'est super, super sympa. Mine de rien, immeuble, ils présentent super bien notre ami. Merci, Kraken, c'est gentil. C'est très, très gentil. Et là, regardez. Regardez, les gars, ils se lâchent. Ils se lâchent et ils font des petits concepts comme ça. Juste magnifique. Avec un bras énorme au niveau de la suspension à l'avant. C'est très, très beau. C'est très, très beau ce qu'ils font. Donc voilà, écoutez, on va continuer hein, bien sûr, parce qu'il y a énormément d'autres choses à voir. Cette ECMA, c'est la folie. Je vais sortir de là, les amis, je vais être éreinté, mais un truc de fou. Là, mes pieds, ils me brûlent, mais comme c'est pas possible. Et il y a encore une journée entière demain à faire, sachant que demain, ça va être vraiment la folie, parce que demain, on va faire Kawasaki, Piaggio, donc Aprilia, Moto Guzzi. On va faire Kawasaki, on va faire Honda, on va faire Triumph et Ducati. Ça va être n'importe quoi. Donc vraiment, grosse, grosse journée qui nous attend. Fiable sur le long terme, bravo pour la balade top. Ça va être dur de changer les mentalités, je suis comme toi, merci. Bah écoutez, voilà, hein, c'est inspirer la MV Agusta quand même. Oui, il y a des inspirations, toujours, bien sûr. C'est d'origine le SC Project sur la 125. Non, c'est une sorte de proto. C'est une sorte de proto. Donc l'idée, c'est de montrer un peu le truc en mode, on fait un concept, on montre un petit peu à quoi ça ressemble. Et là, les amis, regardez chez qui on est. Regardez chez qui on est. Yamaha, et je vais aller vous montrer les petites nouveautés. On passe au-dessus des gens comme ça, voilà, voilà. Et ça va être très, très cool parce que Yamaha, ils ont un stand qui est gigantesque. Il y a un nombre de trucs de ouf. Même heure demain, absolument. CBR 600, l'annonce m'a retourné le cerveau. Non, mais moi aussi, Kraken, et surtout la Hornet 1000. Mais vous inquiétez pas, alors, Honda, ce sera demain. Et si vous n'êtes pas là parce que vous ne pouvez pas vous libérer ou quoi, vous aurez la VOD, je la chapitrerai, je mettrai les marques et tout, comme ça, vous saurez où est quoi et qui est quoi et où comment. Donc, chez Yamaha, il y a plusieurs trucs, mais il faut vraiment commencer par le commencement, c'est-à-dire l'annonce qui a un peu dynamité l'actualité moto. Eh bien, ces derniers jours, elle est là. C'est la nouvelle Yamaha MT-09 2024. Regardez, elle est juste ici. Regardez avec cette nouvelle optique. Et bah voilà, en fait, tout simplement, moto iconique. Hein. La MT-09, c'est celle qui a initié la contre-attaque du Japon en 2010 avec le Dark Side of Japan. C'est celle qui a aussi initié cette nouvelle famille des MT. Venez pas me parler de MT-01 et la MT-03, je sais qu'elles existent. Mais c'est elle qui a recommencé, en fait, l'appellation Master of Torque. Et du coup, on a eh bien, ce CP3, toujours un moteur 3 cylindres en ligne qui fait 119 chevaux avec des quantités de couple qui sont très généreuses. Une machine, un véritable bâton de dynamite. Et on a des nouveautés comme par exemple, eh bien, un écran TFT parce qu'il était temps hein, que l'écran il se mette à jour. Je vais vous montrer, normalement il y en a une de MT-09 juste là. Je vais juste hop, passer pour pas déranger. Hop, regardez ici, je vous la montre. Voilà, ici on a un écran TFT qui est de très très bonne alloi, hein, nouvelle optique hein, comme je vous disais. On est sur un mètre cylindre radial Brembo hein, ici, donc c'est vraiment vraiment cool. Et je regarde un petit peu ce que vous me dites. À ce rythme, tu vas pas tenir la journée. Ah non, mais là, c'est déjà incroyable. Je pensais qu'il allait sortir une comme pour la R7. MV Agusta au programme. Oui, PR, aujourd'hui, MV Agusta, tout à fait. Les tracés en 9GT+, je vais vous les montrer, vous inquiétez pas. Donc regardez, hein, la nouvelle MT-09. Je vous avoue que je préfère quand même cette optique-là par rapport à l'ancienne. Hein. Je la trouve quand même plus chouette, plus jolie, un peu moins clivante, on va dire, que les anciens modèles. Et du coup, eh bien, une belle montée en gamme. Et ça ne s'arrête pas là parce qu'il y a un autre truc qui est très, très cool que je vais vous montrer. Regardez ici, ça c'est la MT-09 SP hein, qui est donc la version très haut de gamme hein, et donc regardez, regardez, attention, regardez, vous voyez ça? Ça y est, Yamaha a mis du Brembo Stilema sur sa MT-09 SP, ce qui promet un freinage de très très haute volée. Ça c'est vraiment vraiment cool. Toujours les mêmes petits, on va dire, petites friandises avec la fourche Kayaba, avec le traitement DLC Diamond Light Coating, le petit amortisseur arrière Hollins, le petit écran, donc ça, ça reste de série bien évidemment, ce coloris qui rappelle la R1M, hein, qui est vraiment très très sympa, et puis eh ben, une app sur smartphone qui permet de contrôler eh bien, un petit peu diverses choses, comme notamment les modes de conduite que vous pouvez régler, donc ça, c'est cool. Ils auraient pu mettre des... Il y a les prix d'afficher, oui, tout à fait, les prix. Ils ont montré les prix de la moto, regardez.
13 099 euros. Elle valait 12 200, 12 300. Et là, effectivement, elle prend une petite augmentation tarifaire, hein, 700 balles. Mais on a quand même du Brembo Stilema, les amis. Et ça, franchement, les 700 euros, pour moi, ils sont justifiés. Je vais vous montrer le prix de la MT-09 standard parce que il a été affiché. Regardez, 10 899 euros. Ça, c'est très, très cool. Elle est un poil plus chère qu'avant, mais franchement, elle gagne un peu des trucs. Moi, je trouve que c'est pas mal. Hein. Mètre cylindre radial Brembo, ça vaut quand même son prix. Donc, ça me choque pas. Alors, il y a d'autres machines, hein, bien entendu. Vous avez la MT-07, mais je l'avais déjà présentée. C'est pas vraiment une nouveauté. Ah ouais, la MT-09 SP, c'est vraiment, vraiment cool. Et là, regardez, je vais vous montrer. Ah bah attendez, parce que quand même, si j'y suis, elle est plus commercialisée. Donc, autant vous la remontrer. La petite, le petit démon, la R1M, regardez comme elle est belle. Hein, celle-là, on la voit moins, bien évidemment, maintenant, puisqu'elle est plus vendue. 200 chevaux, je vous le rappelle, un CP4, moteur 4 cylindres en ligne avec calage crossplane qui vit et sonne comme un V4. Donc, vraiment une machine assez exceptionnelle. Avec déjà, à l'époque, hein, quand elle était sortie, un petit écran TFT de très, très bonne facture. Suspension semi-active, vraiment une machine avec du carbone un peu de partout. Elle est très, très, très jolie. Hein, c'est vraiment une machine super cool. Fais pas rêver la MT, même si l'optique est plus jolie en effet, les stylema top pour la piste, bah oui c'est cool. J'ai déjà raté la MV Agusta Super Vélo de chez 1000. Non, non, ce n'est pas encore le tour de MV Agusta les amis, on fera ça juste après. Regardez ici R1 en version couleur un peu R7, très très belle aussi hein, cette version plus standard. Et je passe vite sur les sportifs de la gamme parce que mine de rien quand même, eh ben, Yamaha maintenant ils ont une sacrée gamme en termes de sportives. Regardez, on a ici la R7 que j'avais essayé sur la chaîne, très très cool. Très très cool cette machine bien entendu. La R3. Un petit peu intermédiaire. Et pour terminer, eh bien la R125, une machine qui me faisait rêver quand j'étais plus jeune. C'était pas ce modèle-là, hein, bien évidemment, mais je rêvais d'avoir une R125 quand j'étais plus petit. Et là, vous avez eh bien, toutes les machines de compétition, hein, donc que ce soit du GYTR, vous avez une YZR M1 tout au bout. Hein. Regardez, hein, elle trône là fièrement en tête de toutes les autres. Magnifique monstre. Engin de destruction massive. Hein. Regardez-moi ça. Vraiment, vraiment très, très cool, hein, cette moto. Je lis vos commentaires en même temps. Hein. On peut avoir le 06 de la jeune femme. Non, je ne l'ai pas moi-même. Et vous ne l'aurez pas non plus. Sacré gamme, mais pas de R9. Non, c'est vrai, on n'a pas de R9, malheureusement. La petite Nikon, hein, et qu'ils ont sacrément bien mis à jour avec la Nikon GT. Je sais bien évidemment que cette machine est très clivante. Et même moi, je ne suis pas forcément le plus grand, grand fan d'une moto à trois roues. Mais il faut quand même avouer que bah, là, vous avez un écran qui envoie quand même sévèrement sa mère. C'est celui du Yamaha T-Max Tech Max et qui affiche les informations de façon quand même extrêmement convaincante. Je vais vous montrer rapidement... Eh bien, la Tracer 9 GT+, hein, c'est une demande que vous m'avez faite. Moto que j'avais essayé sur la chaîne. Hein. Encore une fois, ça, c'est des machines. Vous pouvez aller retrouver l'essai sur la chaîne. Le trail routier. Sorry. Le trail routier, désolé. Hein, j'ai du monde aussi, hein, même s'il y en a moins, mais il y a quand même un petit peu de gens. Ce trail routier remis à jour hein, par Yamaha avec des nouveautés comme notamment eh bien, ce radar à ondes millimétriques qui permet d'avoir un régulateur de vitesse adaptatif. Et ça, c'est super cool parce que c'est pas la première à avoir le régulateur de vitesse adaptatif. Mais avec un radar à ondes millimétriques, ça permet d'être beaucoup plus précis, notamment dans des conditions de neige, dans des conditions de brouillard. Donc, c'est vraiment, vraiment une machine qui est très, très chouette avec des équipements qui sont super cool, suspension semi-active, du petit détail au niveau eh bien, de la selle et compagnie. Et puis, bah, le même écran hein, que la Nikon et le T-Max. Donc, c'est très, très, très chouette. Regardez hein, comme elle est belle, cette moto. Donc, c'est vraiment un très, très joli engin. Je vous lis hein, en même temps. La XSR GP, oui, oui, je vais vous la montrer. Tu as le prix quoi pour la celle-là, la Tracer. Elle est à 16 500, 17 000 je crois en France. Pas de R9 du coup et non malheureusement il n'y aura pas de R9 cette année. Je vous la montre vite fait la XSR 900 GP parce que ça fait partie des machines que j'ai filmées ce matin et vraiment que je voulais vous montrer. Regardez, elle est ici. Je passe juste de l'autre côté pour pas gêner. Hop, voilà, je vais ici. Et regardez, je vous la montre comme ça. Elle est là. XSR 900 GP, il y a du monde dessus mais c'est pas grave, hein, je vous la montre juste comme ça. Donc ça c'est une XSR 900 avec un pack qui lui donne un petit côté sportif à l'ancienne, très très joli avec une couleur hyper sympathique. Et là attendez, elle est dispo là de ce côté là, je vais vous la montrer vite fait. Regardez hein, comme elle est sympa cette moto, je vous lis en même temps. Hein. XSR GP, ouais vous pouvez la voir, elle est là, tout le monde pleure sur la R9, ouais mais bon ça viendra avec le temps, regardez. Regardez comme elle est belle avec cette petite coque à l'ancienne, très très sympa. Par contre, on reste dans la modernité, hein. On a quand même un écran TFT, voilà, ça reste une machine inscrite dans l'air du temps, moderne. Donc assez cool. Et regardez, vous avez ici la XSR 900 en mode standard. Donc là, c'est décaréné avec cette petite couleur orange et blanche que je trouve assez sympa. De très bel effet.
le pack noir est plus joli. Bah écoute, oui, après chacun ses goûts, hein, mais moi je la trouve très très sympathique. Seule chose qui me chagrine un peu, c'est qu'ici sur la XSR 900 standard, on a toujours l'écran à l'ancienne, alors que sur la GP, et ben regardez, hein, je vous le montre, j'y reviens vite fait hein, en deux secondes. Je laisse juste les gens prendre leurs petites photos et je vous le montre vite fait. Regardez, on a le nouvel écran hein, qui est juste là, et ensuite je passe, hop. On a le nouvel écran hein, qu'on a sur les MT-09 notamment. Donc voilà, très très cool. Je vais retourner vite fait, hop, la caméra. Je pense qu'on a fini pour Yamaha. On n'a pas fini pour Yamaha dans le sens où il y a tellement de motos que c'est la folie. Mais des grosses nouveautés, des trucs que je voulais absolument vous montrer, c'est terminé. Et on va avancer un petit peu maintenant. On va aller du côté eh bien, de l'autre pavillon parce qu'on doit faire un saut de l'autre côté. Une idée de pourquoi les motos de grands constructeurs n'implémentent pas CarPlay Android Auto sans fil. Simplement pour la bonne et simple raison qu'en fait, CarPlay, ou du moins Android Auto, je sais pas, mais CarPlay, ça coûte de l'argent. Il faut payer des droits chez Apple. Donc en fait, les constructeurs ne veulent pas parce que c'est quand même des sous assez élevés. Et bah, malheureusement, ça ne plaît pas à tout le monde, l'idée de devoir lâcher de l'argent. Donc c'est comme ça. Je vous lis en même temps. Hein. Ducati, bois un coup, je boirai un petit coup après, je poserai le stabilisateur et je boirai un petit coup, vous inquiétez pas. Ducati, c'est demain, ouais, Ducati, c'est demain. Elle est super cette moto, combien de chevaux? Si tu parles de la XSR 900, elle reprend le CP3 moteur de la MT-09, donc il fait 119 chevaux avec une bonne quantité de couple. Je retourne deux secondes hein, parce qu'il y a d'autres choses à voir, donc ma tête, c'est pas ce qui compte les amis. Regardez, on est sur le stand Vosges, constructeur chinois qui fait des trucs de plus en plus stylés, les amis. Je vous montre vite fait, je vous fais le tour. Hein. Je fais le petit tour, je vous montre tout. Je vous montre les demoiselles, je vous montre eh bien, les motos. Tout sera dévoilé, ne vous inquiétez pas. Donc là, c'est un espace un peu showcase dans lequel on a notamment, bah, regardez ici, ce trail, la 900 DSX Valico. Et bah, ils font aussi eh bien, du quad tout simplement et du scooter. Hein, c'est les trois éléments de mobilité urbaine chez Vosges. Et je vais aller de l'autre côté pour vous montrer plus en détail. Oublie pas de respirer, reprends ton souffle. Ah, et c'est compliqué parce que vous savez, c'est l'excitation, c'est le côté un peu, voilà, on est dans le truc. Et je respirerai demain, vous inquiétez pas. Donc regardez ici, on a la DS900SX, hein, donc ça c'est un trail très sympa, Vosges qui est plutôt habitué à faire des machines un petit peu plus ramassées en termes de cylindrée. Là c'est vraiment du très très lourd avec, je ne sais pas s'il est allumé le petit écran TFT, non je pourrais pas vous le montrer. Tu vas chez Triumph aujourd'hui ou demain? Non Sébastien, je vais chez Triumph demain, ce sera la deuxième partie du salon. Là aussi on a une petite machine qui est très très chouette, alors celle-là je ne l'ai pas vue tout à l'heure, c'est une Trofeo 350. Ça c'est un petit peu plus dans les normes de ce qu'ils font, Vosges. Trop belle la GP, ah oui, bah, la GP était très très sympa. Et là je vais vous montrer les petites sportives qu'ils ont fait, regardez aussi comment ça c'est beau, oh, comment c'est joli. Et ça vous savez quoi, c'est l'effet CF Moto 450 SR. Regardez-moi cette Brivido 525 RR. Est-ce que c'est pas joli quand même ça? Ça fait plaisir, faut quand même avouer, ça fait plaisir d'avoir une machine comme ça. C'est vraiment très très cool. Et je vous en fais le petit tour rapide hein. C'est une machine qui a des jolies finitions, qui est vraiment sympa. On a un petit écran TFT, alors il n'est pas allumé malheureusement, mais à mon avis, ça doit plutôt bien rendre. Et vraiment, vraiment c'est cool, vraiment c'est cool. La petite sportive là, elle fait vraiment vraiment très très plaisir. Elle existe en version 250 derrière par exemple, et vous avez la Brivido 525R qui est elle, la version Roadster. Très simple, là pour le coup on est sur une architecture qui est vraiment moins poussée, moins développée que eh bien, les autres motos de la gamme qu'on a vu récemment, mais c'est aussi très très cool, donc il y a vraiment des choses qui sont sympas de ce côté là. Bah Moto Morini, oh putain Moto Morini, il y a tellement de trucs à dire, Moto Morini, il y a tellement de choses à dire les amis, vous allez péter un câble. Moto Morini, ils ont fait des annonces, c'est des grands malades, c'est des grands malades. Attendez, je vais le faire comme ça, je vais tourner pour mettre face au truc et vous allez voir, c'est incroyable. C'est incroyable ce qu'ils ont fait. Hop. Allez, on est parti. Voilà, donc là déjà, vous avez la Calibro. Hein. Ça, c'est un espèce de petit custom qui avait été montré déjà il y a quelques semaines. Hein. Il y avait eu des leaks. Donc, très, très jolie moto hein, dans l'esprit vraiment custom de eh bien, Moto Morini. Mais les vraies annonces, elles sont là. Les vraies annonces, elles sont là. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Moto Morini qui ont sorti une sportive. Regardez-moi cette beauté. La Corsaro Sport, elle est
incroyable. Elle est vraiment magnifique, la moto. Elle fait penser un petit peu à une S1000 RR, hein, c'est vrai. Mais regardez-moi ça. Double sortie d'échappement, c'est une nouvelle architecture moteur. Un bicylindre qui fait 750 cm3. Mais c'est incroyable. C'est juste incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais franchement, elle est magnifique, la moto. Je la trouve super sympa. Super sympa. Je sais pas si je peux vous filmer directement le petit écran TFT. Regardez. Il y avait un petit écran, mais je crois qu'il n'est pas allumé. Regardez même les petits trucs pour régler la fourche. C'est juste hallucinant. Elle est magnifique. Et vous avez ici la version Corsaro 750. Donc, c'est un roadster. Celle-ci, elle partage la même plateforme. Et regardez-moi ça, même l'avant. L'avant, juste, il est mais hyper clivant, mais très, très, très sympa. Ça fait penser un petit peu aux yeux de Carnage dans Spider-Man. Il y a un petit côté Venom. C'est super joli. Très, très beau. Très, très beau. Le prix de cette sportive, malheureusement, on ne l'a pas encore. Je pense que ça a été annoncé pour le moment comme une annonce de principe, mais ils n'ont pas encore annoncé de prix. Et regardez comme c'est sympa. Franchement, ça change, quoi. C'est différent. C'est, même au niveau de la selle, ils ont fait un effet un peu MV Agusta Brutal 1000. Qu'est-ce que c'est sympa. Mais avec grand plaisir, Esteban, il n'y a aucun problème. La sportive, elle fait... donc regardez, hein, vous avez les caractéristiques ici. C'est 96 chevaux. 96 chevaux et c'est bridable en A2. Donc vraiment super sympa. Et je vais vous montrer les deux autres nouveautés. Mais Moto Morini, ils ont mis la max là. Ils ont mis la max de ouf. Regardez-moi ça. Xscape 1200. Alors là aussi, on est sur une nouvelle architecture moteur. Enfin, pas vraiment nouvelle. Hein. Ils réutilisent en fait l'archimoteur de l'ancienne Corsaro. Si vous avez connu cette moto, c'est une dinguerie, la Moto Morini Corsaro. C'était une bécane qui sortait 140 chevaux, un des bicylindres les plus velus de son époque. Et là, en fait, on est à plus de 125 chevaux parce qu'en fait, je pense que ça n'a pas encore été parfaitement homologué et avec un vrai look, une vraie gueule. Elle est super sympa. Bien évidemment, vous le voyez, hein, au niveau des équipements, on a de l'étrier Brembo super énervé. Donc ça, on se fait aucun souci. Ça va être vraiment très, très lourd avec eh bien, une machine qui fait vraiment, vraiment le café. Pourquoi toujours du A2 bah, parce que hein, le A2, c'est aussi le futur, les amis. Hein. Il n'y a pas que de l'électrique, contrairement au salon auto. Mais non, il n'y a pas que de l'électrique. Il y a de l'électrique et j'en suis très content parce que c'est bien d'avoir de la diversité. Mais on a aussi eh bien, des nouvelles motos. Et regardez ici, c'est la deuxième avec cette architecture, le nouveau moteur, un V2 qui reprend en fait celui de la Moto Morini Corsaro. Et ça, c'est la Milano V2. Hein. Donc regardez, hein, pareil avec une double sortie d'échappement qui est super, super stylée. Alors le petit écran TFT, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, j'essaye de vous le montrer comme ça. Il est aussi assez chouette. Et regardez, hein, toujours pareil les équipements. On a du Brembo, on a une fourche Marzocchi qui marche très, très bien. Enfin, je crois que c'est de la Marzocchi, j'en suis même pas sûr. D'ailleurs, je dis peut-être des bêtises. Vraiment, elle est super chouette cette machine. Triumph, ce sera demain les amis, ce sera demain qu'on fera Triumph et je vous montre rapidement la petite Xscape 649 qui est elle aussi présentée ici, très très sympathique. Regardez comme elle est belle cette moto, elle est présentée en 4 couleurs différentes. Donc ça c'est un trail un petit peu aventureux qui est eh bien, dans une gamme un peu plus modeste en termes de puissance de motorisation, mais c'est très très chouette. Je vais juste passer vite parce que je dérange un petit peu les gens, je m'en excuse. Regardez cet écran, on a même un GPS intégré, franchement c'est assez impressionnant moi je trouve. Donc Moto Morini au top. Alors juste pour que vous sachiez, je commence à plus avoir de voix, là je vais sortir du pavillon pour aller dans l'autre, hein, celui où il y a justement eh bien, KTM et MV Agusta et un petit peu d'autres choses. Je passe chez KTM ce soir, oui absolument. Alors, je ne peux pas donner à chaque fois les prix parce que je ne les ai pas, les amis, tout simplement. Je n'ai pas les prix à chaque fois pour chaque moto, donc j'essaye de faire en fonction. Là on fait les lives. Aujourd'hui, demain, on fait les lives et pas la semaine prochaine parce que quand je vais rentrer, il va falloir que je me repose un peu parce que je vais être éclaté. Mais la semaine d'après, je vais vous faire une vidéo qui sera un petit peu le débrief de l'ECMA avec les grosses annonces, les gros trucs qui ont vraiment secoué le salon avec chez Honda, chez Yamaha, chez KTM, enfin tous les constructeurs. Donc ne vous inquiétez pas, hein, je vais vraiment vous balancer tout ce qu'il faut, il n'y a aucun problème. Voilà, je passe chez KTM. KTM MV Agusta, ça va être la suite là les amis. On va y arriver, je vous promets. J'essaye là juste d'ouvrir un truc à une seule main et c'est particulièrement compliqué. Et là, il y a de la musique, donc peut-être que je vais devoir muter le micro le temps juste de passer de l'autre côté. En tout cas, il faut que je meuble pour pas qu'on entende trop eh bien, la musique dans le fond parce que sinon la vidéo va se faire striker, ce serait vraiment, vraiment dommage. Donc j'essaye de vous parler, hein, de discuter en attendant de passer ce moment un petit peu douloureux de la musique parce que je sens que sinon eh ben, ça va être le strike de la vidéo. Je suis en train de voir si je peux couper le son, si je le coupe 2 secondes, vous comprendrez. Ah, alors attendez, je vais désactiver le micro, je couperai cette séquence sur la vidéo finale, mais restez bien en ligne, hein. J'arrive dans 1 minute, juste le temps de passer cette partie où il y a de la musique.
Heureusement que je suis youtubeur et karatéka. Sinon, je vous assure que le cardio, il lâcherait. Normalement, ça devrait aller au niveau de la musique. On va voir si on arrive à pas se faire striker la vidéo. Ce serait pas mal. Allez, on va rentrer dans le deuxième pavillon. Ce serait pas mal. Hop. Petit passage grimace. Tu penses quoi du rachat de MV Agusta par KTM? Je pense que c'est une excellente chose. KTM, c'est un groupe qui a beaucoup de moyens, qui se développe et qui a tout intérêt à faire rentrer dans son escarcelle une marque comme MV Agusta. Il faut absolument qu'ils réussissent à préserver leur identité et leur, comment dire, leur bagou. Mais je pense que c'est une très bonne chose. Accordez-moi une microseconde. Accordez-moi une microseconde. Je vais juste poser le stab et boire un petit coup. Voilà, j'espère que vous appréciez ce live course. Je ne suis pas passé chez Honda encore. Merci les amis, si ma vidéo vous fait kiffer. Beaucoup plus de passion au moins de nos chats. Oh ça, les amis, chacun son style. Vous savez, il y a des personnes qui détestent ce style de vidéo en mode youtubeur, machin, qui préfèrent ce que les journalistes font. C'est bien qu'il y en ait pour tout. Et c'est bien que vous donniez votre avis aussi. Hein. Je vous explique juste en quoi je pense, moi, que c'est bien qu'il y ait pour tout le monde, quoi. Allez, on est rechargé. On va pouvoir y aller. Je vous lis 2 secondes. Parce que quand même, on peut prendre le temps. Je lis un petit peu vos commentaires. Et ensuite, on repart. Respire avec des motos plus accessibles car MV vive les prix. Bah oui, MV, Agusta, les prix, forcément, c'est un peu le délire. Comme si on était top au top, ressort CV, toujours l'info. Merci ce que tu fais. Merci beaucoup, les amis. On a l'impression d'être avec toi. Eh bien, c'est super. Franchement, ça me fait super plaisir. On va y aller. On va y aller, on va enchaîner. On va commencer par... On va commencer par KTM, peut-être. Ouais, on va aller faire KTM et ensuite, on fera MV Agusta, d'accord? Allez, on y va. Hâte d'avoir ton sorti sur la nouvelle CB Miller. T'es au top, continue, respire. Oui, vous inquiétez pas. Je vais respirer. Je vous promets, je vais respirer. Oula! Je vais cacher. Donc, on y va, c'est reparti. Ah, vous inquiétez pas, j'ai eu l'habitude de plus dur que ça. C'est parti. Tu donnes ton corps, on apprécie, mais je donne tout, les amis. Je donne tout pour vous. Je donne mon corps, ma voix, mon âme, tout ce qu'il faut pour que ce moment soit aussi agréable pour vous qu'il l'est pour moi. Je vous cache pas que c'est impossible. Ça peut pas être aussi agréable pour vous que ça l'est pour moi. Parce que c'est juste incroyable, en fait, de pouvoir être ici. J'ai l'impression de ne pas de mériter ça des fois et c'est juste trop stylé. C'est juste trop stylé pouvoir partager ça avec vous, la passion de la moto, tous ces trucs qui sont complètement dingues. Moi, je suis comme un gosse à chaque fois, je suis trop content de ne pas être blasé. Ça fait 2 ans et demi maintenant que je teste des motos et je kiffe toujours ça autant, donc c'est extraordinaire. Bon bref, le moment émotion est passé, on arrive chez KTM les amis, donc je change bien évidemment la caméra et ça y est, on y est. Alors, il faut savoir que c'est pas KTM himself qui se sont déplacés, hein. C'est un importateur ou concessionnaire, je crois, désolé, j'ai pas retenu. Donc on a bien évidemment beaucoup de choses très sympathiques, notamment cette petite Super Duke 90 qui est vraiment très très cool. 990, attends, oui, vous inquiétez pas. Plus belle nouveauté à tes yeux du salon, ça ce sera à la fin les amis. Regardez, je vais vous montrer les nouveautés, hein, surtout qu'on a eu. La nouvelle 390, la voici, elle est juste là. Regardez cette face avant, elle est monstrueuse, je la trouve magnifique. KTM, ils en ont rien à battre. Ils continuent à aller jusqu'au bout de leur idée, faire des machines qui sont extrêmement agressives au niveau eh bien, de l'apparence, au niveau du style. Ça plaît ou ça plaît pas, mais c'est comme ça qu'ils font les choses. Elle est super jolie avec un écran qui est bien évidemment dérivé de celui de la Super Duke 290. Vraiment une moto hyper, hyper sympa. C'est pas la grosse nouveauté de ce salon parce qu'elle avait déjà été révélée, mais ça fait déjà quand même très plaisir. Regardez ici. Regardez ici cette petite 125. Donc ça, ça fait aussi extrêmement plaisir, hein, la Duke 125 avec une nouvelle tête super belle, vraiment agressive. Moi, si demain, j'avais pas le permis et que je devais m'acheter une petite moto 125, je prendrais ça instantanément. C'est tellement kiffant, c'est tellement joli. Avec encore une fois, un écran qui est très sympa. J'attends juste que le monsieur prenne sa photo parce qu'il y a des gens qui sont en train de prendre des photos. C'est naturel. Regardez, hein, le même écran. Hein. Écran TFT 5 pouces sur une 125. Que demander de plus? Ça fait vraiment, vraiment le café. KTM, ils arrivent toujours à faire des faces plus violentes. Ah, mais c'est clair. Et ils arrivent à faire des faces qui sont extrêmement clivantes aussi. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer, regardez, elle est là, c'est la nouveauté KTM de ce salon.
la Duke 990. Alors calmez-vous, respirez un peu avant de voir la face avant de cette moto parce que c'est très très choquant et très clivant. Je passe juste de l'autre côté parce que bon, il y a des gens, regardez-moi ça. Et en fait, on croyait que les leaks qu'on avait vus en fait sur internet, c'était pour la 1290. Et non, c'était la face avant de cette moto, tout du moins il paraît que ce serait celle-là. Peut-être que la Super Duke 1290 va avoir eh bien, quelque chose dans le même esprit. Je vous la montre juste ici parce qu'il y a des reporters, des journalistes qui sont en train de faire une émission, qui sont en train de parler, donc je ne veux pas les déranger. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Alors, j'ai pu discuter longuement avec des gens de chez KTM directement qui m'ont expliqué pas mal de choses. Donc c'est une machine sur laquelle le moteur en fait est celui de la Duke 890R. Donc on est à 123 chevaux bicylindre, hein, le LC8C. On a un travail complet qui a été fait sur le châssis, hein. Tout a été repensé pour avoir une moto avec une agilité, une précision bien plus élevée, avec de la techno en veux-tu, en voilà. Donc l'écran, c'est celui de la 1290 Super Duke V3. On a des nouveaux Komodo. Regardez, ils sont super étonnants, ces Komodo, assez biscornus. Mais pourquoi pas, après tout, hein, ça a toujours été dans leur identité. Et regardez, encore une fois, hein, c'est vraiment l'élément qui choque le plus. C'est cette face avant, hein, qui est vraiment assez, assez violente. Bien évidemment, moi, je suis pas très fan. Hein, je vous cache pas que je la trouve pas très jolie, cette face avant. Mais on s'y habitue quand on est en face d'elle. Plus le temps passe et plus on s'y habitue, mais ça reste quand même assez clivant. Par contre, niveau technologie, ils ont mis la max de la max, puisqu'on va avoir sur le mode track désormais un indicateur d'angle, quelque chose qu'il n'y avait pas sur les KTM jusque-là, et ça, c'est super chouette. Et on va avoir bien évidemment beaucoup de techno avec le régulateur de vitesse, le contrôle de traction, l'anti-wheeling, le launch control. Il y a une blinde de choses sur cette moto, donc ça, c'est extrêmement cool. Mais la face avant, je le savais, hein, je savais que vous alliez me dire ça parce que forcément, c'est pas extrêmement séduisant, hein, à prime abord, et je peux le comprendre. Ça l'est un poil plus quand on la voit comme ça, avec les LED allumés, ça lui donne un petit côté cyclope, mais c'est vrai qu'effectivement, c'est quand même assez particulier. Alors, il faut savoir que cette machine, c'est celle qui a été utilisée pour les shootings qu'ils ont fait de la 990. Et la moto en fait est sale, tout simplement parce qu'ils n'ont pas voulu la laver, parce qu'ils sont en train d'être dans leur campagne no bullshit, dans laquelle en fait ils font aucune retouche, ne serait-ce que sur les vidéos, les photos, etc. Et là vous voyez, hein, la moto, elle est sale, hein, tout simplement. Elle est dégueu, bah, parce qu'ils l'ont gardée telle qu'elle. J'aime bien l'esprit, je trouve ça vraiment dans l'identité KTM à fond. Et là, regardez, je vais vous montrer. On a aussi ici la. La Super Duke 1290 GT, hein, bien évidemment, qui est la version un petit peu touring, on va dire, d'une Super Duke 1290. Donc imaginez 190 chevaux, 180 pardon, excusez-moi, c'est la fatigue, pour voyager un petit peu de façon énervée. C'est quand même assez cool. 1290 GT, la meilleure pour tout faire. Ah bah c'est sûr que pour tout faire, c'est cool. Vraiment brut, je trouve très stylé. Vous voyez, c'est très clivant, c'est ça qui est chouette. Duke 990 R Moulip, il n'y en a pas, tout simplement parce que bah, là, c'est la sortie ou l'annonce tout du moins de la 990 Duke standard, donc c'est pas une R, mais peut-être qu'après Ducati sortira une version plus énervée, plus agressive encore, avec un moteur plus puissant. Ça, pour le moment, on n'a pas l'information. Je profite juste qu'il n'y ait personne pour vous montrer rapidement l'écran, parce que je pense que je dois pouvoir vous le montrer s'il est allumé. Ouais, voyez, c'est bien l'écran avec, regardez, même le guidage GPS, la machine, ils sont partis encore plus loin au niveau de la gueule. J'ai hâte de vous tester cette moto, hein, vraiment, elle est très très chouette. MV a été rachetée par KTM, je ne savais pas, mais ça veut dire qu'il y aura enfin un réseau correct pour l'entretien et la réparation. C'est ça, les pubs en plein direct, c'est pas top, je suis désolé Marc Fia, je ne choisis pas malheureusement. Donc voilà, je retourne deux secondes la caméra. Donc ça c'est KTM, donc il y avait des annonces quand même qui étaient super super chouettes. Et on arrive dans le Graal, dans le sein du sein. C'est les plus belles motos du salon. Je vais pas dire, c'est une question personnelle, la beauté bien évidemment, mais c'est les motos les plus artistiques, les plus chères, les plus maboules. On est bien évidemment au temple de l'art italien. Nous sommes les amis chez MV Agusta et je vais vous montrer des trucs complètement fous. Royal Enfield, je ne les ai pas vus, Pascal, donc à mon avis, ils sont de l'autre côté. Donc voici la grande nouveauté de chez MV Agusta cette année. Il s'agit de la LXP Aurioli, je crois. Hein. Excusez-moi, je n'avais pas le nom tout à l'heure. Donc ça, c'est un trail chez MV Agusta. C'est étonnant, mais oui, ils l'ont fait. Donc je vous avais montré, hein, à Lyon le concept Lucky Explorer, hein, qui était déjà sur base de cette machine. Donc on est sur un 3 cylindres qui sort 124 chevaux, hein, avec beaucoup de technologie, beaucoup d'assistance. Et pour une fois, je trouve que KTM, excusez-moi, MV Agusta ont tranché
avec eh bien, leur côté très artistique. Cette moto, elle est plus brute et j'aime beaucoup ça parce que je trouve que ça fait vraiment une différence avec, regardez, eh bien, quand même des détails assez chouettes. La petite air mignonne qui fait plaisir, l'écran TFT qui est très, très joli. On a des Komodo qui semblent vraiment très quali, donc j'ai rien à dire là-dessus. Et celle-ci, eh ben, voilà, c'est la grosse, grosse nouveauté. Il y en a d'autres, hein. Je vais vous les montrer, je vais faire le tour du stand, mais elle est très, très cool. Tu comptes passer chez BMW? Malheureusement, Loïc, BMW ne sont pas présents cette année à l'ECMA, comme ça a été le cas l'année dernière. Donc ça, malheureusement, non, je ne pourrais pas vous montrer BMW. Voilà. Et donc, je continue quand même, parce que je ne vais pas vous la montrer tout de suite. Là, la grosse, grosse news aussi. Je vais d'abord passer sur ces deux œuvres d'art que sont eh bien, les MV Agusta Brutale 1000 RR. Incroyable machine. Encore une fois, hein, ça plaît ou ça ne plaît pas, c'est des motos qui peuvent être extrêmement clivantes parce que bah voilà, hein, c'est MV Agusta, c'est très chargé, c'est italien, mais pff, c'est quand même magnifique comme moto. Alors regardez, hein, on est sur un roadster mais avec des demi-bracelets, genre ça c'est pas du tout fait pour être confortable, loin de là. Par contre la selle, elle est magnifique. Regardez-moi ces quatre sorties d'échappement qui sont juste dingues, c'est dingue, c'est magnifique. Vraiment pour le coup, c'est une œuvre d'art sur deux roues. Alors c'est une machine qui vaut 35 000 euros, hein, donc on se calme deux secondes parce que ça fait quand même mal au portefeuille. Mais quand on a les moyens de se la payer, il y en a une encore plus rare après, je vais vous la montrer. Regardez, elle est dans les deux coloris, hein, en bordeaux et noir, et en rouge et noir. J'ai une petite préférence pour celle-là. Dites-moi vous si vous préférez l'une ou l'autre, mais j'aime beaucoup, beaucoup. Bonjour, y a-t-il un stand CF Moto? Tout à fait, Daniel, tu pourras le retrouver dans ma vidéo à la demande quand cette vidéo sera finie. Ça faisait partie du début de la vidéo. Les quatre sorties en mode vénère, ah ouais, non mais vraiment, c'est très, très chouette. Très, très chouette. Et là, je vous fais pas attendre plus longtemps. Elle est là. Oh là là, regardez-moi ce truc. Regardez-moi cet engin. Voici, les amis, la MV Agusta Super Veloce 1000. Après la 800 qui était déjà un dinguerie, voici eh bien une hyper sport néo rétro chez MV Agusta. Elle me coupe le souffle, cette moto. Il n'y a rien dessus à jeter. Regardez-moi cette jante arrière. Regardez-moi cette jante arrière, c'est incroyable. Elle est dingue, elle est dingue. Donc là, on est sur une version Oro, hein, comme MV Agusta, ils aiment le faire. Hein, quand ils annoncent une nouvelle machine, ils font une version très prestige, limitée à 500 exemplaires. Donc là, on a eh bien, le 4 cylindres en ligne de la MV Agusta Brutale 1000. Hein, donc on est à 208 chevaux, 215 avec la ligne et la sortie d'échappement arrière, hein, qui est super belle. Et il y a pas une faute de goût là-dessus. Hein, c'est vraiment c'est de la rallye italienne. C'est, voilà, on a tout, regardez même. On a une sangle en cuir au milieu de la moto, c'est sur le réservoir, c'est incroyable. Monobras, bref, c'est véritablement une machine phénoménale qu'on pourrait regarder des heures et des heures sans se lasser, avec des équipements qui sont tout simplement magnifiques. Le prix d'un deux pièces à Paris, non, mais ça vaut plus de 50 000 euros. C'est pas un deux pièces à Paris, on n'en est pas encore là, mais c'est un bon apport. C'est un bon apport pour un appart. Voilà. Donc elle est trop belle, j'ai fait un essai d'MV Agusta, j'ai fait un essai d'une MV Agusta F4 AMG jaune en fait, qui avait été repeinte par MV Agusta eux-mêmes. Voilà, la 990, ah bah vous êtes encore sur la 990, il a l'air ouf cet ECMA, il est complètement dingue. Je continue, hein, je continue les amis, regardez ça, c'est la Brutale 1000 Assen. Donc ça c'est une version ultra limitée de la Brutale 1000 MV Agusta. Ils sont comme McLaren, ils adorent faire des versions limitées de leur moto. Et elle est très 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 belle avec cette couleur, vraiment magnifique. Alors le truc que je trouve un peu dommage, c'est qu'en fait quand on arrive à une machine comme la 1000 RR, en fait faire des éditions limitées, bah en fait on a l'impression que c'est pas le gain est pas énorme, parce que bah, de toute façon c'est déjà tellement beau. Mais regardez quand même, hein, le petit soin du détail sur chaque pièce, les vernis qui sont à tomber, c'est vraiment incroyable. Non, Ducati, j'ai pas fait Ducati, excuse-moi, parce que je le ferai demain. Ducati, c'est pas aujourd'hui, ce sera demain sur la deuxième partie de ce live. Et là, vous avez la Roche. La Roche, c'est aussi une version ultra limitée eh bien, de la Brutale 1000. Enfin, ils font que ça, hein, des versions limitées. Ils font plus de versions limitées que de versions standard. Incroyable. Vraiment très, très, très jolie. Je vais avancer un petit peu pour vous montrer les autres motos qu'il y a sur le stand, parce que c'est à chaque fois MV Agusta, c'est un régal pour les yeux. Excusez-moi, j'ai dû tousser dans le micro et ça n'a pas dû être agréable, mais je commence à perdre ma voix. La Roche est magnifique. Honda, ce sera demain, yep, d'accord. Kraken, bon Dieu que c'est beau, bah oui, c'est magnifique. Merci pour ton abonnement, Benoît, c'est très très gentil. Regardez, hein, ça c'est les anciennes, hein, Super Veloce, les 800,
qui était vraiment, vraiment très, très jolie aussi. Hein. Regardez, le souci du détail, là, je peux m'approcher un peu plus. Regardez ici cette lanière en cuir hein, qui parcourt la moto, celle en cuir. Enfin bref, c'est que du grand délire hein, avec les sorties d'échappement qui sont magnifiques. Ça, c'est d'origine. Regardez-moi ça, ces sorties d'échappement, elles sont d'origine. C'est dingue, c'est incroyable. Et là, je passe juste derrière pour vous montrer aussi celle-là que je trouve incroyable, la F3 RR. C'est pour moi, peut-être, la sportive en dessous de 1000 cm3 la plus belle qui soit. Regardez-moi ça, je vais faire le tour juste ici pour vous la montrer. Parce qu'il y a des gens, je ne vais pas les déranger. Regardez-moi comment elle est belle, cette moto, c'est incroyable. Oh, elle fait 148 chevaux, si je ne dis pas de bêtises, 3 cylindres en ligne, pareil, moto incroyable. Ça déchire, tu aurais dû y aller avec des abonnés. En fait, le truc, Yep, c'est que là, je suis sur des journées presse, donc je peux pas emmener des abonnés, malheureusement, et vraiment, pour pouvoir travailler tranquillement, on aurait pu faire une rencontre abonnée dans le cadre de si vous veniez à l'ECMA, mais c'est compliqué parce que là, aujourd'hui, j'ai filmé plus de 60 vidéos dans la journée. Il y a un live à faire, il y a des partenariats à nouer, je dois aller voir des gens, laisser des cartes de visite. C'est un peu complexe, je préfère vous faire vivre ça comme ça en vrai. Est-ce que la nouvelle Africa Twin a les Komodo rétro-éclairés? Alors, je ne sais pas, Frenchies, je te dirai ça demain parce que je vais y aller. Est-ce qu'il y a la Turismo Veloce? Il y a la Turismo Veloce, Kaya, on va y arriver. Je vous montre juste vite fait cette petite brutale RR. Et ensuite, on va aller voir la Turismo Veloce pour conclure tout simplement la visite de MV Agusta. Donc, regardez, elle est là, la MV Agusta Turismo Veloce Lusso SCS. Je sais même pas quoi dire en fait, c'est du trail routier, mais en fait c'est tellement vénère que je sais même pas quoi vous raconter, c'est incroyable. Elle est magnifique la moto, elle est magnifique. Il y en a une qui fait 155 chevaux, c'est très possible avec peut-être des échappements et compagnie. Je vais vous montrer, regardez l'écran, les détails, c'est fou. Regardez-moi ça, les petites valises, le petit monobras qui est vraiment superbe, les petites sorties d'échappement, il y a rien à acheter, c'est juste dingue. C'est juste dingue. Une R9, non, pas de R9, malheureusement, pas de R9. Désolé, mais Yamaha n'aura pas révélé de R9 à ce salon. Donc voilà, écoutez, le prix, oh, ça vaut entre 25 et 30, je crois, si je dis pas de bêtises. Attendez, je vais juste couper le chat, parce que j'ai réactivé le chat sans faire exprès. Voilà, donc on vient de faire MV Agusta, on a fait KTM. Donc en gros, là, je vous ai livré le très gros du salon. Le très gros du salon de la première partie, hein, calmons-nous, hein, c'est la première partie que je vous ai montrée. Je vais continuer à avancer pour voir si je trouve quelques marques en plus qui peuvent être chouettes à vous montrer sur cette première partie ou des trucs un peu incongrus. Et je lis vos messages, ce sont les Lamborghini italiens trop beaux. Bah, en vérité, il y a quelque chose d'un peu similaire à ça, comme si Ducati était associé à Ferrari et MV Agusta à Lamborghini. C'est pas tout à fait le cas. Parce que, Ducati, ils ont un partenariat Lamborghini. Mais dans l'histoire et la façon comme c'est présenté, il y a beaucoup de similitudes finalement entre Ferrari et Lamborghini. Parce que MV Agusta, ils essayent un peu de faire comme Ducati, mais sans arriver au niveau de succès de Ducati, même s'ils ont des trucs qui sont complètement fous. Et un peu comme Lamborghini a suivi un petit peu comme Lamborghini a suivi Ferrari pendant un certain temps. Donc voilà, on va passer de l'autre côté. Je vais essayer de voir si je vous trouve des trucs cool. Je retourne la caméra hein, pour que vous voyez en même temps que moi, parce que c'est pas intéressant de voir ma tête. Et je vous lis. Il y a déjà beaucoup de belles choses, tout à fait Eric. Il y a beaucoup, beaucoup de belles choses. Alors, il y a le stand IADEA que je connaissais pas spécialement, qui ont fait des petites machines assez rigolotes. Je crois que ça, c'est de l'électrique. Donc, je vous le montre rapidement parce qu'il y avait des machines assez chouettes. Et je vous parle bien des machines, bande de coquins, pas des jeunes femmes. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer les motos sans vous montrer les jeunes femmes. Donc forcément, voilà. Donc là, vous avez typiquement de la moto électrique en mode roadster. Pareil ici, je pense que ça doit être le même genre de machine. Faire un live sur les nouveaux équipements moto? Oui, je fais un live sur les nouveaux équipements moto, peut-être, mais pas maintenant. Mais il y a plein de stands. Il y a 2600 stands hein, sur cette ECMA. Et regardez, ça aussi, hein, petite moto électrique avec un style. Hein. En vrai, il y a un style. C'est une... Kemper RC, je crois, hein, le nom de la machine. Donc c'est assez cool. Il y a plein de constructeurs un peu indépendants sur ce salon qui sont très chouettes. Ça, c'est pareil, hein, c'est la même chose. Je vais laisser les gens tranquilles. 2600, ouais. Pour quand Yamaha, c'était au début. Donc si tu veux, tu pourras regarder la vidéo à la demande. Je chapitrerai les vidéos pour que vous puissiez retrouver le stand qui vous plaise. Parce qu'il y avait des trucs sympas chez Yamaha, notamment la nouvelle MT-09 qui avait été montrée.
Et on va avancer un petit peu, on va continuer, j'ai envie de vous montrer d'autres trucs avant qu'on clôture. Il est quelle heure là? 17h27, que le temps passe les amis. Ça passe vite quand on est en votre compagnie. Je ne fais pas Kawa aujourd'hui, Ozone. Je ferai Kawa demain. Demain, ce sera Kawasaki, Ducati, Honda, Triumph et j'ai dû en oublier un. Il y a les deux constructeurs japonais et il y a Aprilia, bien sûr, le groupe Piaggio. Où on va normalement voir la RS457. Donc ça va être cool aussi. Petit stand de scoot. Petit stand de scooter, ça c'est cool. Je suis content, vous êtes bien plus nombreux que l'année dernière sur le live les amis, c'est vraiment plaisant. J'espère que la vidéo de la CB 1000R vous a plu, hein, de la Honda CB 1000R qui tombe à pic, puisque le lendemain Honda annonce une nouvelle CB 1000R net. Donc ça c'est très très drôle. Et regardez ici, hein. Ici il y a plein de constructeurs un peu indépendants. J'ai l'impression qu'on est de ce côté-là en fait, plus sur des stands avec des marques un peu chinoises, un peu nouvelles. Regardez ça, on dirait une Goldwing, mais en version voiture. Trop drôle, une Goldwing qui a trop mangé. C'est assez marrant, c'est assez drôle. J'espère que vous vous régalez en tout cas, j'espère que ça vous fait plaisir et que la visite de cette ECMA vous procure du kiff. Moto Guzzi demain. Moto Guzzi, j'y suis... Non, Moto Guzzi, c'est Aprilia, donc oui, ce sera demain, avec la Stelvio notamment. MV, c'est plus Pagani. Ouais, oui et non, parce que Pagani, si on se dit que Pagani, c'est au-dessus de Ferrari et Lamborghini, même en termes de prix, une Brutale 1000 RR, c'est pas le placement de Pagani, mais je vois ce que tu veux dire, bien sûr. Il y a des marques italiennes qui poussent encore plus loin. Tu pourrais peut-être dire même que Bimota, c'est Pagani, hein, quand on prend en compte le prix de leur machine, et encore, c'est particulier, mais tu vois ce que je veux dire. Tu vas faire une vidéo récap? Oui, Alexandre, j'en ferai une pas lundi prochain parce que je vais rentrer, je vais être mort et je vais avoir genre 140-150 shorts à éditer. Mais par contre, effectivement, sur le lundi d'après, on se fera un petit récap, un petit débrief avec grand plaisir. R9 envisageable, malheureusement, pour l'instant, non. Mordré au sujet de la CB 1000R, dommage d'arrêter la gamme Neo Sport Café. Tu avais dit beaucoup de bien d'elle sur la dernière vidéo. Et ben, figure-toi qu'apparemment, yep, elle n'est pas arrêtée. Elle n'est pas arrêtée, la CB 1000R. J'ai pas compris. Et en fait, ils n'ont pas annoncé de puissance encore pour la CB 1000R net. On y reviendra demain, hein. Mais apparemment, ils sont encore en cours d'homologation. Elle ferait plus de 150 chevaux. Mais il va falloir qu'elle fasse vraiment plus de 150 chevaux parce que je retourne juste. Attendez. Je retourne juste la caméra parce qu'en fait, là, il n'y a rien de vraiment intéressant. Et je peux vous montrer ma tête. En fait, ils ont annoncé plus de 150 chevaux, mais il faut que ce soit beaucoup plus de 150 chevaux parce qu'une CB 1000R, ça fait 145 bourrins. Et quand bien même ça ne s'adresserait pas à la même audience. Quand tu dois acheter un roadster et que chez la même marque, tu as un qui fait 145 et l'autre qui fait même, disons, 155, tu dis, mais je prends quoi en fait? Je prends le moins cher, je prends. C'est compliqué, tu vois. C'est comme si Ducati, ils avaient dans la gamme en même temps une Monster 1200R qui fait 150 chevaux et une Street Fighter V2 qui en fait 153. Je dis, mais je prends quoi? Oui, d'accord, les motos, elles ne sont pas destinées aux mêmes audiences, mais quand même. Donc, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. J'essaie de voir s'il y a des trucs sympas à vous montrer, les amis, mais je crois que j'ai fait le tour. Je vais arriver quand même à la fin du pavillon. Ah non, quoi qu'il reste encore. Oh, non, il reste encore tellement de trucs de l'autre côté. Vous inquiétez pas, c'est pas fini. C'est pas fini. CF Moto, j'ai montré que QG Motor, je les ai pas vus encore. GSX8R, je l'ai vu, Romuald, et je l'ai montré au tout début du live. C'était le tout début. RSV4 et Tuono 2024, bah ça, on verra bien demain. On verra bien demain s'il y a quelque chose. Je retourne la caméra 2 secondes, comme ça, hop. Vous repassez en mode visuel parce qu'on arrive sur des trucs un peu plus intéressants. On passe derrière le stand Yadé, hein, les motos électriques qu'on avait vu tout à l'heure. Ouais, t'inquiète le gros cap. On va passer de l'autre côté, les merdouilles. J'irai peut-être pas jusque là parce qu'il y a probablement des choses intéressantes à voir. Mais c'est sûr et certain que c'est moins tape à l'œil que les gros constructeurs. Même s'il y a beaucoup de choses très intéressantes et des trucs qui peuvent vraiment faire la différence. Et vous savez... CF Moto, aujourd'hui, il commence à être vraiment implanté. Il y a 5 ans, on ne les connaissait pas. Ah bah attendez, je crois qu'on est chez Verge Motorcycle. Alors ça, il faut vraiment que je vous en parle et que je le filme demain. Ça, les amis, c'est de l'électrique. Mais c'est de l'électrique extrêmement énervé. Cette machine, je ne sais pas comment ils sont capables de sortir ce chiffre. Je vais vous montrer. Regardez, cette moto sort 1000 Nm de couple. Je ne sais pas comment c'est possible, ça fait peur. Mais en tout cas, regardez les solutions techniques. Regardez ici. C'est incroyable, j'en ai entendu parler, j'ai lu des articles dessus et c'est une proposition qui est vraiment assez folle et elles sont déjà en vente, hein. Vous pouvez déjà acquérir une Verge Motorcycle si vous le voulez et bah écoutez, c'est l'électrique, ça fait partie de ces constructeurs où on attend beaucoup au tournant de les voir comment ils vont évoluer dans les années prochaines et c'est cool. C'est le moteur dans la roue, ouais tout à fait, c'est exactement ça.
Tu as des choses à nous mettre sous la dent pour Triumph en attendant demain? Bah écoute, en fait, j'ai pas eu de news concernant Triumph. J'espère qu'il va y avoir des petites annonces, mais il n'y avait pas de conférence de presse les concernant, donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. On verra bien. On verra bien. Ah oui, là on est chez Benda. Benda, c'est pareil, c'est un constructeur chinois qui fait des trucs un peu originaux. Alors bon, à voir si ça va se concrétiser ou pas sur des trucs vraiment vendus et instaurés. Mais vous voyez, je vais vous montrer l'énorme machine qu'ils avaient montrée à un moment donné. 50 000 euros avec la moto électrique. Oui, elle est extrêmement chère. Pour info, j'ai grandi à Palaiso, d'accord. Ah bah si tu connais les routes, ça fait plaisir. Au moins, ça te rappelle un peu des trucs. Regardez là. Regardez la gueule de cette bécane. Énormissime, avec un gommard arrière de plus de 240. Hein, ça doit être du 300, ça. C'est gigantesque. C'est assez drôle. Je vais passer rapidement dessus pour vous le montrer. Parce que c'était marrant. On rigolait bien. Ah oui. Et du coup, BMW, ils sont pas là. Mais je peux vous la montrer. Je peux vous la montrer parce qu'il y a des stands de préparateurs qui sont venus avec, regardez, des 1300 GS. Donc voilà, j'en profite. Hein, nous sommes chez, je ne connais pas le nom, Touratech. Touratech, ils sont un équipementier qui doit probablement proposer des valises et des choses comme ça. Hein. Et en fait, bah, regardez, la nouvelle BMW 1300 GS, elle est là. À défaut de pouvoir la voir en vrai parce que bah, elle n'est pas présentée par BMW cette année. Et bah, le nouveau énorme trail, elle paraissait beaucoup plus fine. Et eh bien en vidéo. Et là regardez, hein, avec un énorme écran. Alors ça par contre c'est un truc de chez Touratech, mais c'est une protection. Je sais pas si celle-ci elle est un petit peu plus dépouillée. On la voit un peu mieux. Regardez, je vous la montre quand même parce que c'est où, quelle ville? C'est à Milan, Italie. Un stand Arch Moto. Non, j'ai pas vu. Bah en fait je connaissais pas Touratech. Non, c'était une marque que je connaissais pas. Et bah, j'imagine qu'ils font des trucs très sympas pour notamment le off-road et le voyage long cours. Et regardez bah, la nouvelle 1300 GS hein, avec le boxeur qui est monté à 145 chevaux, si je dis pas de bêtises. Elle a pris 9 bourrins, donc normalement c'est ça. Et 15 mètres kilo de couple, elle fait plus de 150 Nm de couple, c'est plus qu'une Hayabusa. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Bref, voilà, comme ça vous l'aurez vu, hein, c'est pas sur le stand BMW, mais j'aurais pu vous la montrer. Les meufs sont encore plus dingues que les motos, alors ça les amis, je ne sais pas. Tu peux revenir sur la Benda pour avoir le prix? Alors malheureusement, je sais pas, j'y vais vite parce qu'elle est pas loin. Je vous la montre vite fait parce qu'elle est pas loin. Je crois pas qu'il y avait le prix hein, sur la Benda. Tac, 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 je regarde vite fait. LFC 700, vous me dites si vous voyez le prix, mais je ne le vois pas. Je sais même pas si elle a déjà été commercialisée. Je crois pas. La F3, bah, on est passé devant tout à l'heure, Mifta. Elle était vraiment très, très jolie. Aussi connu que JV, ah bah écoute, comme quoi, tu vois, des fois les cordonniers sont les plus mal chaussés. Hein. Moi, tu sais, il y a des trucs qui sont probablement hyper évidents pour vous et que je connais pas, mais une seconde parce que bah, je suis dans mes trucs et que c'est pas bien. Hein, mais voilà. Donc, bah écoutez, on arrive à la fin du stand parce que quand on commence à arriver à des stands avec des petits vélos et des jeunes femmes, c'est que vraiment, il faudrait qu'on passe à autre chose. Il faudrait vraiment qu'on avance. Non pas que c'est pas intéressant, mais c'est juste que c'est pas le sujet du jour. Donc regardez, une petite super vélo de chez ça, c'est des petits stands, soit de préparateurs, soit d'équipementiers, d'accessoristes, etc., etc. Il y a quand même des trucs qui sont chouettes. Hein. Il y a quand même des trucs qui sont... Regardez ça, une MV Agusta Senna. Ça, c'est une petite rareté, assez chouette. Assez chouette. J'avance un petit peu hein, parce que je crois, les amis, qu'on est arrivé à la fin de notre parcours. Je vais me mettre en... Attendez, je vais retourner juste la caméra. Faut juste que je m'arrête pour ça parce que sinon, je me pète la gueule, mais je pense qu'on est arrivé à la fin de notre petit parcours. Je vais le faire à l'intérieur quand même, je vais revenir à l'entrée des pavillons et je vous lis. La nouvelle KTM, on l'a montré, stand Indian, pas vu, donc peut-être de l'autre côté, peut-être demain. Merci pour les vidéos au passage, elles sont top à regarder. Merci à toi Marvin, c'est très très sympa. Merci à toi. Je fais tout ce que je peux pour vous donner le max, les amis. Aujourd'hui, j'ai vu plein de belles choses. Il y a d'autres youtubeurs qui font aujourd'hui des trucs, qui vont filmer des choses et qui vous proposeront du contenu dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. N'hésitez pas à aller regarder. Je sais que Lord Puma était dans le coin, je sais qu'Aki Kaninak aussi, et chacun ont leur style, donc ils vont pouvoir vous proposer des trucs dans une approche différente de la mienne. Donc ça peut être cool aussi de les regarder. Voilà, n'hésitez pas. Et on va continuer à avancer.
On est en train de repasser chez nos amis de chez Katoche. Donc voilà. Ça va, mine, merci. Des impressions là, chaudes, trucs qui t'ont impressionné. Alors, ce que je vous propose, si ça vous va, si vous êtes encore, si vous avez encore 5-10 minutes, on va se poser, on va se mettre au fond là. Et je vous débriefe vite fait un petit peu cette première journée pendant 5-10 minutes avant de clôturer le live. Ça vous va? On va faire comme ça. Donc, je vais me poser là, je vais avancer un petit peu, je vais me poser là. Et on va parler ensemble tous, vous et moi. Je vous cache pas que ce soir, je vais dormir, mais je vais détruire mon matelas, les amis. Mais vraiment, Mathilde, elle va m'entendre ronfler en l'espace de 5 secondes, alors que je suis pas quelqu'un qui ronfle d'habitude. Hop, hop. Non, attendez, là, j'ai de la luminosité. On va se mettre comme ça. On va se mettre comme ça va être mieux. Voilà. Allez. Oh, la fatigue. La grosse fatigue. Alors, je lis juste vite fait un petit peu ce que vous m'écrivez. Merci Pédio, on revient demain. Très bien. Qualité vidéo et audio est propre. Et ben ça c'est super, je suis très content. Trail mid-size, 300-400 cm3 chez Yamaha ou Suzuki. Non, j'ai pas souvenir d'en avoir vu. Première fois que tu fais 10 km à pied et pas à moto. Ouais, j'aimerais bien. Pas déçu qu'il n'y ait pas 1390 Super Duke. Ben, en vrai si, parce que j'attendais ça comme annonce, j'attendais vraiment qu'ils en parlent, et malheureusement ça n'a pas été le cas. Mais de toute façon, à partir du moment où on savait que KTM n'allait pas venir en personne, mais vraiment avec une concession, un représentateur, un importateur italien, c'était certain qu'ils n'allaient pas faire de grosses annonces. À mon avis, elle n'est pas prête, la 1390, ou alors, ils n'ont pas voulu court-circuiter l'annonce avec la 990. Donc c'est peut-être ça aussi, et peut-être que dans 2-3 semaines, on découvrira cette moto. C'est une de mes bécanes préférées, donc forcément que j'ai très envie de la découvrir. Tu vois, à chaque fois, comme toujours, j'espère juste voir un essai d'une Brutale ou d'une Rush avec toi. Eh ben écoute, si vous avez une MV Agusta Brutale Millerer Rush ou standard, même Brutale Millerer standard, contactez-moi, vous avez mon adresse mail dans l'espace contact et vous me dites, hein, y a aucun problème. Un peu vide le salon, non? Alors non, Grims, le salon il est vide parce qu'on est en jour presse et que du coup je peux faire le tour du salon et vous commenter tout à blinde sans aucun problème. Crois-moi que dans 2 jours, après-demain, ça va être le bordel, il va y avoir un monde de dingue et moi je suis très content d'avoir ces 2 jours pour pouvoir un peu vous parler de tout ce que j'ai à parler. Aprilia est présent, les nous, il n'y a aucun problème, ils seront là demain. Ils sont là aujourd'hui mais je vais vous les présenter demain. Demain le programme ça sera Honda, Kawasaki, Triumph, Ducati, Piaggio, donc Aprilia et Moto Guzzi, potentiellement QG Motors parce que je les ai pas vus, potentiellement Indian, ça va être un gros live encore une fois, donc faudra que vous soyez présents. Un modèle demain ou plus tard durant le salon? Non, toutes les conférences de presse ont eu lieu aujourd'hui, donc normalement toutes les annonces ont été faites aujourd'hui, sauf mention contraire, mais normalement c'est ce qui va se passer. Et sur cette journée, il y a plusieurs trucs qui m'ont bien fait kiffer. Déjà les annonces chez Suzuki, je les ai trouvées chouettes. La GSX 8R et la GSX 6000 GX, j'ai trouvé que c'était sympa parce que Suzuki, c'était un constructeur qui, ces derniers temps, n'était pas forcément au rendez-vous en termes de nouveautés et tout. On sentait qu'il ralentissait un peu des trucs. Et là, vraiment, entre l'année dernière, la GSX 8S et la V-Strom 800, et cette année, ces modèles-là, ça fait vraiment, vraiment plaisir qu'ils complètent un peu de façon transversale la gamme de cette nouvelle plateforme. Et après, chez KTM, la 990 Duke, j'ai trouvé ça super parce que c'est vraiment, vraiment cool. Vraiment très, très bien d'avoir cette nouvelle moto qui est annoncée. Même si la face avant, je ne suis pas fan, mais voilà, c'est cool de dynamiser la gamme. La Super Velo Chimmy, elle est super belle, mais voilà, c'est un peu un placement très, très exclusif. Chez Yamaha, bon, j'ai vu la MT-09, la nouvelle. Maintenant, j'ai vraiment l'intention de pouvoir la tester et de voir ce que ça donne. Et sinon... je pense que ma plus grosse surprise et ce que j'ai le plus kiffé, c'était Moto Morini avec la nouvelle Corsaro Sport et la Corsaro 750. La Corsaro Sport, c'est un délire, elle est magnifique, la moto sportive 750 cm3 mid-size chez Moto Morini, vraiment dingue, ça j'ai kiffé. Et sinon, bah, juste partager ça avec vous les amis, être là avec madame, avec mon meilleur ami, on est venus tous les trois pour pouvoir prendre des photos et tout, vous balancer le max d'infos, c'était trop stylé. Donc vraiment, c'était très sympa. Je lis un peu ce que vous dites. Merci à vous, merci pour ton job, c'est cool. Grosse journée demain, ouais, ça va être ça. Ducati, ce sera demain Costa.
Triumph 755 RS, nouveau coloris, bah on verra demain. On verra demain. Il y a quoi comme nouveauté en 125 à part la KTM 125 de 2004? J'ai pas vu grosse nouveauté en 125. Si. Non, c'était juste celle-là. Peut-être qu'il y en aura d'autres chez les autres constructeurs. À quelle heure demain le live? Ce sera à 16h30. Le live demain, il aura lieu à 16h30, même heure que ça. Et là, ce soir, peut-être pas ce soir, parce que je dois monter des shorts et surtout me reposer, mais j'essaierai de chapitrer la vidéo d'aujourd'hui pour que vous ayez Yamaha, machin, etc., pour que vous ayez vraiment le truc qui soit bien. La nouvelle MT-09 SP, elle est à 13 099 €, soit une augmentation de 500 ou 600 euros par rapport à la dernière version, ce qui n'est rien quand on voit qu'elle est équipée maintenant en Brembo Stilema, mètre cylindre radial Brembo avec un peu plus de technologie, etc. Moi, je trouve ça top. Nouvel écran TFT, franchement, parfait, je trouve ça top. Pas de nouvelle GSX R1000, non. Pour l'instant, Suzuki ne reviennent pas à l'hypersportivité. À mon avis, c'est pas pour tout de suite. Hein. Ils se sont concentrés d'abord sur faire la GSX 8R et puis ensuite, on verra bien comment les choses évoluent. Merci pour ce travail journalistique, bah, merci beaucoup. Tu as créé le moyen d'être membre de ta chaîne Roadster CV, je ne vois pas l'option, ce serait bien d'activer l'option qu'on puisse te soutenir financièrement pour tout ton travail. C'est possible au Osman Rider, il y a le statut Roadstars sur lequel tu as Roadstars Duke 125, sur lequel tu as réponse en priorité aux commentaires et des petits shorts en avant-première du travail que je fais. Et tu as aussi le Roadstars Hornet, vous avez le Roadstars Hornet qui est un abonnement membre à 4,99€ par mois qui vous donne accès aux vidéos de la chaîne longue en avant-première au moins 24 heures. C'est disponible quand tu vas sur l'accueil de la chaîne, tu fais rejoindre et tu peux choisir ces deux statuts là. Ne passez pas par vos iPhones pour faire ça. Android, je suis pas sûr, mais ne passez pas par vos iPhones pour faire ça parce qu'Apple il taxe 30% de plus. Passez par un ordinateur si vous voulez me soutenir financièrement, mais pas vous mettre plus que voilà, faites-le par votre ordinateur. Pas de R9, même si tu n'es pas encore allé, la nouvelle CBR 600 RR a été annoncée. Oui, elle a été annoncée en effet. Ça fait partie des choses qui m'excitent le plus et qui m'intéressent le plus à ce salon. C'est la nouvelle CBR 600 RR et surtout la nouvelle Hornet CB1000 qui a un look qui a l'air incroyable, un peu à mi-chemin entre ce qu'on a fond et une Street Fighter de chez Ducati. Je la trouve incroyable la machine. Je ne l'ai pas vue visuellement encore, hein, donc j'ai hâte de vous la présenter demain. Ça va être un des grands moments. Ça fait partie des trucs qui me font kiffer. Et chez Kawa, la Ninja 7, la Z7 hybride, il y a une Z7 hybride qui a été annoncée, donc vous avez vu la Ninja 7 hybride, et la Z7 a été montrée dans la foulée, donc version Roadster, elle a l'air dingue, elle a l'air hyper effilée, hyper agressive, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Aprilia est présente, et si oui, des nouvelles de la RS457, oui là nous, ce sera demain la RS457, demain je vous la montrerai, parce qu'elle a été dévoilée, enfin montrée officiellement, donc oui, demain RS457, Moto Guzzi Stelvio aussi. Merci beaucoup Jérôme, ça fait très très plaisir. Ninja 500, ouais effectivement. Dommage, ils ont pas mis upgrade de la SP sur la XSR GP. Alors si la XSR GP, elle a l'écran de la nouvelle MT-09, ça c'est sûr et certain. Ont-ils annoncé le prix de la KTM 990? Je ne pense pas. Une Ducaire, ça vaut 12 000. Elle n'a pas de Stilema, elle n'a pas de Brembo, la Duke 990. Donc je dirais qu'on va peut-être être dans ce tarot-là, 12 000, 12 005. C'est pas, je présume, de quoi que ce soit. Mais à mon avis, on va être dans ces prix-là, à mon avis. Ça prévoit du lourd pour demain. En tout cas, demain, ça va être la folie. Moto Morini, c'est italien. Moto Morini, c'est italien, mais je crois que ça a été aussi racheté ou pris en part par des Chinois. Donc je pense qu'il doit y avoir un truc là-dessus. CF Moto présent, oui, CF Moto présent, ils y étaient, on en a fait le tour. J'ai montré notamment la MK800, la nouvelle 450 SRS, la Explore 800 MT, le Trail. Il y avait pas mal de choses qui étaient très très cool à ce niveau-là. Un prix ou une date pour la Aprilia? Prix, ils vont peut-être le montrer demain, je vous dirai. Date, je ne sais pas, je crois que non, mais je vous tiendrai au courant. Je vous tiendrai au courant. Tu as un projet achat? Ah, est-ce que moi j'ai un projet achat? Écoutez, là, les finances, c'est pas encore ça, parce qu'il faut encore que la chaîne grandisse hein, pour que je sois vraiment un peu plus à l'aise. Mais je dirais que là, quand le Biking, je voudrais m'en séparer, j'ai deux options. J'en ai parlé hier avec Antoine, avec mon meilleur ami, vous savez, qui roule en ZZR 1400, si vous connaissez un peu la chaîne. Lui, il était en train de commencer à regarder des Street Fighter 10 98.
si j'ai pas trop les sous pour vraiment ce que je voulais prendre de plus gros, je vendrais peut-être le Viking pour m'acheter une Street Fighter 1098S parce que c'est une moto que je trouve incroyable. C'est pour moi le plus beau roadster qui soit et on les trouve entre 9 et 10 000 euros. Et si la chaîne se développe bien et que voilà, je vois que c'est possible, je prendrais peut-être une ZH2SE parce que c'est vraiment une bécane qui me fait kiffer, qui je sais ne fait pas kiffer tout le monde, ce qui moi me fait kiffer encore plus parce que j'adore les motos clivantes, j'adore les motos que tout le monde n'aime pas forcément parce que voilà, c'est, je la prends parce que je l'aime pas, parce que tout le monde l'a, donc ça c'est quelque chose que je kiffe. Déçu des que Vincent chevaux de la 990? Non, parce que KTM ils savent faire des motos qui sont barrées dans la tête et il faut pas non plus que une 990 devienne une mini Super Duke. Il faut vraiment que ça reste une moto à part entière et que quand tu montes sur une Super Duke 1290, tu tournes la poignée et tes dents partent. C'est vraiment l'intérêt de cette moto, donc il faut garder ce cloisonnement, je trouve, et c'est très très bien. Peut-être que dans le futur ils sortiront une Duke 990R qui ira peut-être chercher 130-135 chevaux et ce sera chouette, mais la 990 elle est dans un segment mid-size et je trouve ça très très bien. On s'abonne tous en tant que membre pour les défis dans ces achats. Merci, merci Osman Rider, c'est très très cool. Une idée du prix de la CB1000R, on entend de tout et de rien dessus. Franchement, j'en sais rien. Hein. S'ils gardent la plateforme de la Fireblade, il ne faut pas s'attendre non plus à un truc qui va coûter des 1000 et des 100. Il faut voir l'équipement. Demain, je vous en parlerai plus. Je verrai ce qu'il y a dessus. S'il y a du Brembo Stylema, s'il y a de la techno à gogo. Il faut voir comment Honda ils font parce qu'au final, ils ont passé des années à faire du Total Control avec des machines qui étaient relativement abordables, même si la CB1000R Black Edition, je la trouve très chère, mais des machines abordables. Et puis là, d'un coup, ils sortent une CBR1000RR RSP à 26 000, 27 000 euros. Donc, on ne sait pas trop sur quel pied danser avec Honda actuellement. On va voir. Si demain, j'ai des news, je vous en parlerai, il n'y a aucun souci. Si tu devais en acheter une dans le salon... Franchement, la moto Morini Corsaro 750, la sportive, j'ai kiffé. Je la trouve magnifique. Ce serait le genre de moto où je pourrais me dire, ouais, vas-y. Après, si j'avais vraiment l'argent à gogo, super vélo de chez Mille, elle est magnifique. Mais attention, le salon n'est pas terminé. Il faudra qu'on se fasse des petits débriefs demain parce qu'il y a des trucs. Pas de shifter, c'est Honda a annoncé la CB1000X, mais c'est pas le cas. Et oui, 1290 Duke toujours dispo et niveau puissance. La Super Duke 1290, elle est toujours disponible. Le LC8, 180 chevaux, ça n'a pas changé. Peut-être qu'on aura une 1390 annoncée bientôt. Ça, j'ai pas l'information encore, les amis. Pas d'annonce de la GS Adventure. La BMW n'est pas au Salon Mohamed, donc on n'a pas d'infos plus concrètes à ce niveau-là. Celle qui a l'air très chouette, la Honda CBR600RR, je sais, elle vous fait kiffer. Je vous promets, demain, je vais vous la montrer. Le pauvre Marc à Moto91, je vais le harceler quand je vais rentrer pour lui dire, Marc, dès qu'elle est dispo, il faut que je la teste. Il y a trop de gens sur la chaîne qui veulent la voir, donc c'est cool. Voilà. Salut Vito, salut mon Vito, j'espère que tu vas bien, j'espère que ça va. Merci à tous ceux qui m'ont suivi aujourd'hui, les amis. C'était très très cool, vous avez été hyper nombreux hier. On était plus de 400 en live simultané, c'est énorme. Hein. On se parle quand même d'une chaîne qui fait 20 000 abonnés, d'un salon moto. Enfin, oui, la moto c'est un truc qui fait beaucoup de gens, mais enfin, c'est pas pareil que le gaming, c'est pas pareil que d'autres trucs, que même la voiture. Donc, c'est vraiment chouette que vous ayez été aussi nombreux à me suivre. Je débarque, pas de R9, non, il n'y a pas eu de R9, les amis, malheureusement. Ta femme est partie faire une préco, ah bah, ce serait bien, ce serait chouette. Merci pour ce que tu fais, merci beaucoup. Le salon est incroyable, Victorien. Il est vraiment, vraiment chouette à l'image de ce qu'on avait vécu l'année dernière, mais encore mieux, je trouve. Il y a encore plus de nouveautés, il y a beaucoup de trucs qui font vibrer. Je regrette juste que Damon Motorcycle n'ait pas été là parce que moi, j'adore Damon, leur moto électrique, là. La Hyperfighter Colossus, elle était incroyable, c'est mon coup de cœur l'année dernière. Mais il y a eu beaucoup de choses très très chouettes, donc c'est cool. Dommage que Aprilia ne fasse pas encore de méga Tuono plus de 200 chevaux. Bah, en fait, elle existe cette moto, c'est la Tuono X. Mais elle n'est pas homologuée pour la route, hein, c'est une moto de circuit. C'est pas trop mal qu'ils gardent un petit peu la séparation tant qu'ils n'ont pas maîtrisé le moteur 1100 cm3 de la RSV4 et qu'ils réussissent à l'adapter avec quelque chose qui soit coupleux mais à la fois puissant. Faut vraiment réussir à trouver cette recette. Le petit coucou de J-Series plus haut, bah salut J-Series. Je regarde juste le petit coucou, mais écoutez, salut à vous. Merci beaucoup. J'ai pas vu le stand Zontes, non, pas encore. La 1200 RS, une tuerie très 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 sympa, bien évidemment. Et je suis en Italie, tout à fait. Je suis en Italie. Je viens de voir, c'est qui a écrit ce message. C'est une personne qui m'accompagne qui a écrit ça, c'est pour me troller. Donc voilà. La nouvelle 400 Kawa n'est pas prévue en A2. La ZX4R, je crois que non. Je crois qu'elle n'est pas prévue. C'est vraiment une machine qui est faite pour la piste. Pas la piste, c'est homologué. Mais je crois qu'elle n'est pas prévue pour... Pas de nouvelle Panigale V4, alors je ne crois pas.
Je ne crois pas. Je ne suis pas allé encore chez, chez Ducati. Ah, il faut que je vous dise un truc aussi. Espace Murit m'ont envoyé des vidéos aujourd'hui. Ils ont reçu une Ducati Panigale V4 MotoGP Replica, une Bagnagna, je ne sais pas comment le dire, en caisse en bois. Ils l'ont ouvert et tout, donc ils m'ont envoyé les vidéos. Je vais essayer de vous en faire un petit short bientôt et peut-être de vous la filmer. J'en ferai peut-être un short exclusif pour les Roadstars, pour les membres payants. Ce n'est pas que je veux mettre tout le monde à l'écart, c'est qu'il faut aussi que je donne du contenu à ceux qui s'abonnent et qui me soutiennent financièrement. Mais j'essaierai au moins de vous en faire un short un peu officiel, vous inquiétez pas. J'adore ce que tu fais, ta chaîne est une petite pépite. Triumph va-t-il nous présenter la Daytona 660? J'ai pas de nouvelles à ce niveau-là et je crois que c'est un peu trop tôt. Je pense pas qu'ils aient montré quoi que ce soit encore à ce niveau. Merci à toi pour ce live, je suis ta chaîne depuis un moment, tu es dans mon top 3 des youtubeurs. Merci pour ton travail, je me regarde. Merci beaucoup Pascal, ça fait plaisir. Et franchement les amis, vous me donnez une force de dingue, de malade mental, donc c'est très très cool. Merci beaucoup. Je suis invité par Kawa pour le salon de Caen, j'ai hâte de perdre mon souffle comme toi. Ah bah cool, je savais même pas qu'il y avait un salon moto à Caen. Moi je serais présent à Lyon, et à Lyon c'est des journées qui sont pas presse, hein, c'est mixte. Alors c'est très cool parce que vous pouvez me croiser, mais d'un autre côté c'est un peu chiant parce qu'il y a beaucoup de monde et que je peux pas filmer et être aussi tranquille sur le boulot, mais bon c'est comme ça. Tu prévois un test de la RS457? Obligé, Lanou, je ferai le test de la RS457 dès qu'elle est dispo, vous inquiétez pas. D'autant plus que je ne vous l'ai pas dit encore, mais je vous l'annonce. Normalement, je vais bosser avec Aprilia France, les amis, donc Piaggio hein, même d'ailleurs. Donc, je vais pouvoir vous tester des Moto Guzzi et des Aprilia de façon un peu plus régulière, puisque j'ai réussi à prendre le contact avec eux, donc c'est super cool. Merci à l'assistante pour le portage du sac à dos. L'assistante qui m'a porté mon sac à dos aujourd'hui, elle a été exceptionnelle. Un énorme merci à elle, parce que vraiment, ce sac à dos, il est lourd. Il a fallu le transporter, les bouteilles d'eau, prendre mon sweat. Enfin, vraiment, elle a été aux petits oignons, donc un grand merci à elle. Merci beaucoup, merci à vous les amis. Écoutez, voilà, l'épilogue a quand même duré un peu de temps, donc on va pas rester non plus 150 ans là-dessus. On va se retrouver demain à la même heure, 16h30, pour la suite de cet ECMA 2023, la découverte de ce plus grand salon de moto du monde avec, je vous le rappelle, si vous arrivez, Honda, Kawasaki, Piaggio, donc Aprilia et Moto Guzzi, Triumph, Ducati. Ça va être du n'importe quoi, donc je vous invite vraiment à être très 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 nombreuses et nombreux demain. Vous l'avez déjà été aujourd'hui, vous m'avez fait un énorme accueil, hein. Vous avez été très nombreux, donc j'espère que vous le serez autant demain. En attendant, je lis vite à vos derniers messages. Il y a eu des KTM, oui, la 990, tu pourras la retrouver. Arrête la Z1000 Kawa, vraiment dommage. Ils n'ont pas présenté le T-Max, il n'y a pas eu de nouveauté. Et merci à toi de nous avoir fait vivre ce salon moto. Dernier message, désolé les amis, je ferme mon iPad parce que sinon je vais vous lire pendant encore des heures et des heures. On se retrouve demain pour la suite de l'ECMA. En attendant, kiffez vos motos, prenez soin de vous et on se retrouve demain. Ciao.